Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la tête brûlée, le prochain fusil automatique de précision, la nouvelle arme spéciale du DLC Arsenal Sombre. Donc comme pour ces deux consoeurs, il y a une petite quête à réaliser pour l'obtenir et sans plus attendre, on va découvrir ensemble comment obtenir cette fameuse tête brûlée. Il va donc falloir tout simplement récupérer dans un premier temps la quête auprès du vagabond. Vous aurez ensuite une série de mini-étapes à valider, objectifs que vous pourrez réaliser bien évidemment en simultané. Il va donc falloir réaliser 500 frags au fusil automatique, 100 frags multiples au fusil auto, il faudra éliminer 150 ennemis coriaces et enfin réaliser 40 parties du gambit. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas bien sorcier, vous lancez du gambit, vous éliminez des ennemis supérieurs, tout ceci en utilisant principalement des fusils automatiques. Et lorsque vous retournerez voir le vagabond, celui-ci vous donnera en contrepartie votre arme automatique tête brûlée équipée d'une pièce maîtresse. Alors il faut savoir que cette arme elle possède une perque agression et tout simplement cette perque va faire augmenter la cadence de tir de votre arme au fur et à mesure que vous accumulerez l'effet boucherie sur cette dernière. Ce qui peut être une combo très intéressante et là encore ce qui peut être une arme à privilégier lorsque vous vous trouvez face à des masses ennemies importantes comme ce sera le cas dans la forge de l'arsenal sombre. Donc on est vraiment sur des armes qui sont liées à l'ambiance, à l'atmosphère et à l'utilité que vous pourrez en faire dans ce prochain DLC, ce qui est assez positif. J'espère que ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à réagir comme toujours dans les commentaires et quant à moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos, d'autres astuces sur Destiny 2. Ciao tout le monde !